dans le Capitole là. Eh ben, c'est la première fois que le retourne dans le Capitole là après gros déblosaille. Ça, en plus, monde les insurrections qui étaient faites dans le moment que vous avez confirmé la victoire de Joe Biden dans l'élection 2020. Eh ben, 6 janvier 2021, tu as un déblosaille qui était fait et jusqu'à présent, c'est une question que l'Amérique pour qu'on finisse de digérer. L'Amérique a vivre toujours parce qu'elle est toujours dans le tribunal, toujours une discussion qui a fait sous lui et on rappelle souvent. Et nous voyons que l'ancien président Donald Trump est paré dans Capitol Hill, là, dans le palais de congrès américain. Eh bien, ça, objectif, c'était une invitation qu'elle te recevoir et au tapé républicain, il a étudié stratégie. Non seulement pour reprendre la Maison Blanche, ça veut dire que dans l'élection novembre 2024, là, pour Donald Trump, qui a pratiquement ou capable de représenter le Parti républicain dans l'élection, ça y est, eh bien, pour ta reprendre le pouvoir et pour consolider force en dedans et congrès américain. Donc, il y a une pile stratégie, une pile causée qui parle, une pile l'homme qui bat, il y a une pile rappel tout qui fait. Parce que il y a des gens qui ont une position X et je dis qu'il y a une position Z. Donc, les journalistes eux-mêmes dans le travail, ils ont rappelé ça. Donc, c'était un grand moment et c'était un élément fort dans l'actualité aux États-Unis, côté notre gain. Gentil Augustin Junior qui était lui-même t'es sous place pour te faire nous vivre et causer cela. Donc c'était avant-hier après-midi. Et puis gros nouvelle là, c'est G7 là, c'est une grosse réunion qui fait dans Apulia, dans zone, dans tout près en ville les Barry, mais c'est un resort d'un côté que luxueux gros bagage. Et ben pays, sept pays qui puis industrialisé dans le monde, yo, eh ben yo t'es là, t'es gan pile invité spécial dans occasion G7 ça. Et invité spécial au premièrement c'est ta na retourné sous lycée et pape François qui était là, c'est première fois on pape et a participé dans réunion comme ça. Bon, nous imaginez nous que la fête en Italie. Et ça nous capable t'es capable ouais en dans sommet ça. Eh bien, nous sommes capables de voir que tout leader G7 a gagné un yeux fixé, premièrement sur les deux guerres. Et on a parlé de guerre et invasion de la Russie dans le pays Ukraine, et puis guerre Israël-Hamas. L'autre point encore, c'est la Russie. La Russie, il dit que l'invasion fait dans le pays et Ukraine, et puis gagné et Volodymyr Zelensky, président ukrainien, qui était un invité spécial. Il rencontre avec un pile monde dans des rencontres bilatérales, notamment ici un accord de sécurité avec Joe Biden, président américain. Il rencontre tout avec Pape François et il a parlé, il a discuté. Et après réunion, Zelensky dit que il est content de discuter avec le chef de l'Église catholique, là, notamment il a discuté sous l'invasion de la Russie. Dans le pays Ukraine, ils ont discuté sur salaire les terroristes aériens, ça veut dire offensive aérienne que la Russie a fait dans le pays Ukraine. Et puis tout, ils ont parlé tout de et sommet qu'a fait Konya là, un sommet ça le sommet la paix qu'a fait dans le pays la Suisse. Faut dire que Volodymyr Zelensky déjà dans le pays la Suisse côté que là il participé dans le sommet. Il y a un autre élément très important qui était dans mi-temps yo. Et c'est question de la Chine. Yo, non seulement yo critiqué la Chine de ce que l'a soutenu la Russie dans l'invasion que l'a fait dans le pays Ukraine, mais yo critiqué la Russie de ce que l'a utilisé exportation que qui fait il pas fait dans les normes, il pas respecté éthique internationale yo, et tout leader G7 yo même yo gen yeux fixé sur deux pays ça, la Chine comme un pays qui a fait transaction commerciale mondiale dans non respect des normes, et puis avec la Russie tout yo même que yo estimé qui a fait une invasion et yo même saisi bien yo et 50 milliards de dollars que y a bail la Russie bon gagné entente qui fait sous ça pendant sommet G7 là. Mais pendant sommet G7 là tout gagné jodia et Pape François qui prend la parole. Pape François prend la parole côté que lui mandé pour yo contrôler question intelligence artificielle et pour yo il dit un conflit armé comme ça. Un conflit armé côté que
grand pile coup d'âme qu'a tiré, il dit que li pa ta doit utiliser ça les armes autonomes létales. L'état là debout elle qu'a tué qui va tuer monde. Donc il dit yon machine pas de droit jambe choisi pour le capable retirer la vie yon chrétien vivant. Donc yon l'autre fois encore et gagner Pape François prend la parole contre question intelligence artificielle là et c'est gros discours journée. Nous connaît pratiquement c'est pour le dernier journée, demain pour le gagner ça relé déclaration et yon toujours une déclaration et finale que vous fait dans fin et G7 là. Donc Pape là te prend et la parole. Donc faut nous dit que grand pile et grand pile rencontre qui fait par exemple n'a signalé que gain rencontre qui fait par exemple entre président Joe Biden avec premier ministre italien Giorgia Meloni gagnent tout et Pape là qui rencontre avec Mounsayo directeur général Fonds monétaire international Kristina Lina Georgieva gain président ukrainien tout qui rencontre avec Pape là me dit nous déjà président français Emmanuel Macron qui fait une rencontre tout qui parlait avec Pape là gagné Justin Trudeau du Canada qui au même tout et puis pas oublier tout Avel Milei qui n'a discuté qui n'a problème actuellement là dans le pays avec gros manifestations qu'a fait pour réforme que l'a fait bien que depuis le monter sous pouvoir c'est première fois que joindre un gros soutien comme ça dans mes parlement donc monsieur en grande difficulté mais monsieur pas démordé il avait dit pas il pas quitté ça l'a fait programme que le et programme austérité que le gagnant et ben lui même l'a suivi il dit que c'est comme ça pour faire payer donc monsieur tout est en Italie et monsieur était rencontré avec et Pape François pas gagner une rencontre bilatérale vraiment mais il était fort rencontré dans couloir là il était fait tête collé de argentin bien que nous connaît il y a une histoire ensemble parce que Milei était critiqué et critiqué en pile mais il a été réconcilié parce que Milei a visité Pape là dans Vatican et qu'on y a rencontré en Italie et dans sommet G7. Et puis l'autre fait que nous capable signaler c'est que gagné président ukrainien Volodymyr Zelensky lui-même qui rejeté avec un pile force une proposition que président russe Vladimir Poutine t'a fait pour lui-même pour t'a céder une partie dans territoire. Il dit que son ultimatum tant que Hitler te fait parce que Hitler te fait tout dans question Tchécoslovaquie à côté de manquer on mandé au parti Tchécoslovaquie. Il dit quoi que lui-même il rejeté ça c'est un ultimatum et dans Jean Hitler te fait pour Tchécoslovaquie. Et puis n'a si aller tout que gagne question immigration te vinn sous tapis à tout parce que pas gagne immigration seulement au niveau frontière États-Unis partagé avec Mexique. Pas gain seulement en Amérique latine mais gain l'autre immigration qui a fait tout au niveau de l'Europe nous connaissons pas quatre pays africains APC et ben entrer en Europe donc question immigration tout il devine sous tapis pendant sommet ça et puis l'autre point encore que et nous capable signaler et en nous quitter G7 là bon G7 là pratiquement pour le finir demain pour le gagner une déclaration finale mais il y a agence de presse qui gantan joine plus ou moins et qui gantan joine plus ou moins et texte là ça veut le joif là projet de déclaration finale là lui même li gen la donne c'est même bagaille gen la donne c'est déclaration finale côté que groupe là à part de groupe G7 là on dit que dans G7 là on paquet l'autre monde qui était et notamment gen Kenya tout Kenya nous connaît qui va prendre tête force multinationale là en Haïti là il était présent tout. Donc, c'est pour dire nous avons un paquet de monde qui était là, un paquet de monde qui était là dans la cause. Donc, nous disons, la déclaration finale, là, c'est l'équipe leader G7 qui dit à mettre ensemble pour combattre un paquet de bagailles. Non seulement, ils veulent combattre la question de la Chine, j'en ai fait transaction commerciale, ils veulent combattre tout un paquet d'hégémonie qui gagne, ils parlent de ça en français, résilience économique, pour battre une résilience économique. Donc c'est autant de points qui prennent dans déclaration finale là. C'est toujours un grand moment, c'est toujours un moment de grande rencontre et avec les grands de la terre et avec représentants sept plus gros pays. Nous t'es capable président Joe Biden naturellement. Nous t'es capable Justin Trudeau du Canada, Emmanuel Macron et de la France et nous t'es ouais et l'autre. Monsieur tout gain
co-responsable Union européenne, yo, tout est là dans la rencontre. Ça, c'est la rencontre vraiment des grands qui te gagnent. Et nous te dit que deux gros invités, c'est d'abord Pape François, qui était c'est première fois, ça c'est l'histoire, c'est première fois on Pape et prend la parole dans gros réunion ça. Et puis te gagne tout Volodymyr Zelensky qui pratiquement toute grande rencontre internationale presque. Et parce que il va là-dedans, mais en général toute plus grande rencontre internationale et que l'Occident a patronné, eh ben l'île là-dedans tout. Et donc il était là et il a quitté l'Italie pour virer à côté là en Suisse, là où nous connaissons que la Suisse partageait une frontière avec et avec l'Italie. Il y aurait les mounsa ou les Tessinois, moun Suisse qui est dans la zone Italie ça. Donc la Suisse après a grand pile gros moun qui gros autobre gros personnalité cap nan rencontre ça. Et faut dire tout que le président Joe Biden lui-même et il dit à l'âge 81 l'année, monsieur a fait de grandes navettes, monsieur était en France là pour le 80e anniversaire débarquement Normandie de D-Day et puis qu'on y a même monsieur retourné encore pour G7. Donc monsieur a voyagé en pile à 81 l'année, il faut le faire. Et puis il y a un autre point qui domine l'actualité pendant ce moment, c'est premièrement faut nous ranger ensemble. C'est premièrement et gagner un bateau et une frégate et russe qui dans zone Caraïbes là, ils vont faire des exercices militaires et y a plus ou moins beaucoup de qui dans zone Cuba. Et dans moment n'a parlé là tout gagner un sous-marin l'armée américaine qui a accosté dans Baie Guantanamo. Il faut dire que le département d'État Pentagone dit que l'exercice ça va pas représenter un danger, il pas représenter un danger pour les États-Unis. Mais il arrive que et pour moun kap observé au dit bon premièrement gon frégate avec gon navire et avec toute capacité nucléaire qui entrer dans zone qui rive Cuba. Et c'est dans même moment ça tout que les États-Unis lui-même li gagnent un sous-marin qui a coursé dans Baie Guantanamo dans Cuba dans cadre d'une démonstration de force. Il dit pendant plusieurs bateaux la guerre russe entré dans Cuba pour faire exercice militaire pour plan qui était planifié dans Caraïbes là. Et gagnent tellement vrai que tu gagnes un secteur qui dépote plus pour lui après la mort et l'assassinat d'un étudiant dans l'école normale qui était pour le plus pour lui. C'est-à-dire que nous faisons, c'est décrit à l'époque là, et le sang, vraiment, pour lui, c'est un peu de l'aller, et c'est même une enfant avec moi. Comme si tu as dit que nous avons fonctionné là, ça c'est une semaine.
Assemblé ces métiers d'après ça en média ici rapporté bien monsieur Damio et bien il est bloqué là premièrement compagnie qui était sorti avec la République dominicaine là pas venir retourner avec la République dominicaine parce que dit que il pas gagner ça ensuite compagnie pas venir continuer avec eux pour aller en l'autre compagnie pas venir continuer avec eux pour mener au Nicaragua et donc ça veut dire que ça a bloqué donc c'est le appel officiel et urgent par les autorités haïtiennes et nouveau ministre de l'Intérieur madame Dominique et bien il a été dit message ça que mon journal en ligne était publié hier mais nous avons vu le passé et sous la haïtienne à Quito Équateur pour prendre des dispositions pour que nous dégagions, fouetter un avion, c'est ça, faiblement des groupes au gouvernement équatorien pour que nous rapatrions et groupes pour partir ça. Alors, ça passe là. Nicaragua n'a pas été temps qui passe. Il y a des gens qui ont annoncé que la sécurité, pour qu'il y ait un capteur, sur Haïti pour mener Nicaragua, parce que Nicaragua, ce n'est pas la décision finale. La décision finale là, c'est surtout de traverser pour tomber au Mexique et du Mexique. Voilà, c'est ça, c'est une situation liée. Et on a continué parce que, effectivement, qui l'est, parce que pour pas contact qui fait, parce que pas de vol direct entre Haïti avec Équateur. Donc, très certainement, vous savez qu'on passe de l'autre côté en transit, ou ça a monté le pont en vol direct qui sont rajoutés à Haïti à fouetter, pour l'y rapatrier, mener qu'on passe de ça. Retourner la caille, retourner en Haïti. Ils sont appelés eux-mêmes tous les dénoncés, ils demandent aux autorités haïtiennes pour faire ça, qu'ils ne pas pour eux, ils ont retourné parce que tout ça était quand même fini, l'argent était quand même fini, tout ça fini, donc on va retourner demander pour les haïtiens et il semble que les gouvernements haïtiens, en fait, les gouvernements haïtiens, les nouveaux ministres africains, ils répondent à l'appel et à l'appel ça qui va se faire, puis la communauté haïtienne en a marre. Comme il dit, ça se fait face à un gros inondation là, qui frappe sérieusement, mais l'autorité autour locale, il y a une disposition pour que la cité de monde finisse avec le droit de la vie. Et le commissaire, le commissaire, le commissaire, le Je crois que c'est peut-être qu'on s'assume maintenant de commencer, mais quand même, il y a toujours attention à fixer pour commencer comme encore le gouvernement, comme c'est bas résultat, après ministre de la Communauté, rencontre tout avec famille et trois membres contacts et victimes récemment, et ça nous dit la sécurité ensemble. Et pour un enfant, mais comme ça a été mouru, on peut promettre pour l'ouvrir une enquête, justement, par M. D. Et ça qui est passé dernièrement, pas plus qu'on peut savoir ça, comme on avait dit que face à la résultat dans l'enquête, cap mené pour connaître cause de qui est-ce qui est responsable. Est-ce que monsieur était en mission? Si vous êtes en mission pour ça que patron en fort, et pour que Coréo l'ait en besoin, et monsieur prend un état. Je dis la police depuis quelques jours, cap mené opération dans un an, il est dans un an fort, amène opération de barbecue, mais. Qui
bail, est-ce que les résultats ça va passer exactement. Voilà, et je vous par exemple, il y a dit, il n'y a pas venir avec nous, après venir avec pas de tout et tout, pas de bagarre comme ça. Ça, après, pour y mettre sous table, mettre un bloc papier, et puis après notre chemin, et puis il y a pas de plume, et puis il y a pas de bouteille d'eau, pour voir, il n'y a pas de monde qui vient, il fait bruit, etc., il vient de bravo, etc. Donc, c'est comme ça, c'est censé taper, c'est fait, il n'y a pas de l'entraînement là, dans pratiquement. Et non. C'est probable que l'ancien président ne doit pas tomber en basse sanction, ou bien ne doit prendre rien, aucune mesure non plus, ou bien ne doit pas en probation, parce qu'il était une période de temps pour que les bagages ne doivent faire aucun des autres, et ne doit pas, comme son testament fait, c'est-à-dire qu'on a des fois qu'il y a des problèmes avec la justice, donc il est capable de signer ça, donc il est capable de mettre la suspension, il y a plusieurs bagages qu'il a fait sans pas nous inviter. Et s'il va pas en prison, il est certainement au moins minimum total. Ça qui est un bas du cas dérangé. Candidat et ancien président de Macron. Il dit même, il dit le pareil, il dit nous sommes encore en train de faire avec le ministère, nous sommes en train de faire avec le Gracias.
encourager pour appliquer pour les programmes de sécurité en sous et puis il attend une fois, on va pas décourager parce qu'il n'est pas facile. Il y a assez qu'on y a pour un projet de 1500 mètres chaque jour. Donc l'application de 1500 mètres chaque jour, pas de chance. Donc il y a quoi pour les gens qui apprendre, pas rater un devoir et aller là-dedans. Même souvent, on est déjà aux États-Unis, il y a quelque chose pour ne pas oublier. Il y a un programme par exemple, par exemple, pas oublier qu'on gagne pour faire un test de tuberculose. Pour faire des cela, il faut que tu aies un peu de temps.